Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Eh bien écoutez, moi ça va parfait. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du fameux jeu numéro fétiche. Alors ici, j'ai 10 tickets. Bon, apparemment, le numéro 13. Je suis passé chez le buraliste, il restait que des numéros 13. Il semblerait que bah, les gens se réfutent à acheter ce numéro, alors qu'il peut soi-disant porter malheur ou porter bonheur. Enfin, ça dépend selon les croyances. Donc il restait que des 13. Donc j'ai acheté, ben, comme ici on peut le voir, 10 petits tickets, tous des numéros 13. Et ici j'ai reproduit un petit tableau avec ce qu'on appelle le TRJ ou le taux de redistribution aux joueurs. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à ça. Ici figure donc le nombre de lots, le nombre de lots gagnants. Ici donc les montants du lot, c'est-à-dire 4 lots gagnants à 1000 euros, 60 lots gagnants à 250 euros, 80 lots gagnants à 50 euros, 500 lots gagnants à 20 euros. 21 000 lots gagnants à 10 euros, 43 000 à 5 euros, 188 000 lots à 2 euros et 111 000 à 1 euro. Alors ça nous fait une totalité de 363 644 nombre de lots gagnants sur une base de 1 500 000 tickets imprimés. Et ici, sur la totalité du montant des lots par rapport au nombre de lots gagnants, cela représente une totalité de 945 000 euros. Alors le calcul est très simple. Bon, si on prend 1 500 000 tickets qui coûtent 1 euro à l'unité, bon, cela nous donne donc 1 500 000 euros à la vente de la AFDJ. 1 500 000 euros, le pourcentage de 945 000. Donc je parle plutôt le pourcentage que fait 945 000 euros sur une totalité de 1 500 000 euros. Cela donne donc 63%. Donc ce petit jeu numéro fétiche, on peut gagner 1 000 euros maximum. Un TRJ, soit un taux de redistribution aux joueurs de 63%. Ce qui est un petit peu plus faible que certains jeux que nous avons vus auparavant. Si vous avez regardé mes vidéos, notamment le jeu par exemple, le jeu cash, qui est aux environs de 110% de redistribution. Bon, le numéro fétiche affiche un TRJ de 63%. Alors, ici, comme je vous y disais, j'ai 10 petits tickets. Numéro 13, alors apparemment le numéro que personne ne veut acheter chez le buraliste. Eh bien on va voir si ce petit numéro 13 porte chance ou pas vraiment. Alors, si vous découvrez une ou plusieurs fois le numéro 13, vous gagnez la ou les sommes correspondantes. Alors ici j'ai le 15, le numéro 10, le numéro 11. Le 14 et le 9. Donc premier petit ticket, rien de gagnant. On va donc passer au second pour voir si on peut avoir un petit truc sympa. Alors, ah, numéro 13, 1 euro. C'est le début de la fortune. Numéro 13, encore 1 euro. Numéro 13, encore 1 euro. Encore un numéro 13 avec 1 euro. Et un autre numéro 13. Donc j'ai 5 numéros 13 gagnants à 1 euro. Ce qui fait donc un petit gain gagnant de 5 euros. On va placer ici, premier ticket gagnant. Alors, on va attaquer le troisième ticket. Numéro 9, 1000 euros. C'était pas le 13, malheureusement. Numéro 11, numéro 15 et numéro 17. Encore un petit ticket perdant. Alors on attaque le grattage du quatrième ticket, 13, 1 euro. Intéressant. Encore un petit euro de gagné. Numéro 12, 1000 euros. Bon, j'aurais préféré que ce soit le numéro 13, mais apparemment c'est pas le cas. Numéro 15, 5 euros. Et numéro 13, 1 euro. Donc cela fait deux numéros gagnants à 1 euro, 2 euros de gain. Alors, un petit ticket suivant. 12. Comme le ticket précédent, 12 000 euros, mais bon, c'est le numéro 13 qu'il me fallait. Alors, 17, 13, 1 euro. Bon, au moins, c'est déjà ça. Et encore 13, 1 euro. Donc, ce qui fait 2 euros de gagnant. Alors, on va passer au suivant. Tiens, ben, ça commence bien. Numéro 13, 1 euro. Alors, numéro 13, 2 euros. Numéro 13, 2 euros. Ça, c'était le numéro 14. Et là, le numéro 17 avec 1000 euros. Bon. Alors, j'ai 3 numéros gagnants. 2 euros, 2 euros et 1 euro. Ce qui fait un ticket à 5 euros.
Alors, je ne sais pas si la FDJ a noté que pour les numéros fétiches, les gens se réfutent un petit peu à acheter le numéro 13. Alors, peut-être qu'ils se sont dit, bah tiens, on va mettre un petit peu plus de lots gagnants dans les numéros 13. Enfin, je ne pense pas qu'ils aient fait ceci. Je ne pense pas que ce soit, je veux dire, légal par rapport à la loi des huissiers, des loteries, tout ça. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, ici, déjà un petit numéro 13 avec 2 euros de gagnant. Eh bien, il n'y avait que 2 euros. C'est déjà ça. C'est au moins le double du prix d'achat qui est de 1 euro. Alors, petit ticket suivant. Dix, 16, 17, 14 et 12. Un petit numéro perdant. Alors, je vais rejeter un petit coup d'œil sur le nombre de lots gagnants. Alors, des combinaisons donc à 5 euros, moi j'ai eu d'un euro, il y en avait 111 000, des 2 euros 188 000 sur 1 500 000 tickets. Alors, si je veux gagner par exemple 10, 20, 50 euros, bon, c'est pas évident. 80 lots gagnants sur 1 500 000, comme on peut dire, c'est pas gagné, il faut vraiment avoir de la chance. 20 euros, bon, il y a quand même que 500 tickets gagnants sur 1 500 000 unités de jeu, nombre de lots gagnants, pardon, sur 1 500 000 unités de jeu. Bon, c'est peut-être pas gagné. Mais bon, on va voir pour la suite. Alors, là j'ai le numéro 17. Numéro 16. Numéro 12. Vais-je découvrir un petit numéro gagnant? Pas pour celui-ci. Et non plus pour celui-là. Bon, et bien on va attaquer le dernier petit ticket de cette petite session grattage. Alors, numéro 14. Numéro 12. Alors, j'ai le 12, j'ai le 14. Moi, c'est le 13 qu'il me faudrait. Le 11. 11, 12, 13, 14. Et ici, le numéro 17. Donc, ce qui fait un petit ticket perdant. Alors, sur 10 tickets, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5 perdants et 5 donc de gagnants. 1, 2, 3, 4 et 5 de gagnants. Alors, je disais pour une totalité, donc ici 2 euros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 euros, 8 euros, 9 euros, 9 euros, 10, 11 euros. Et ici, j'avais 5 euros, donc ce qui fait 16 euros. Bon, et ben, ça fait un petit bénéfice. Ça m'a coûté 10 euros à l'achat. Je gagne donc 6 euros de bénéfice, avec 16 euros en totalité des gains. Bon, c'est pas grand-chose, c'est disons une petite misère, mais c'est toujours mieux que de rien gagner. Et au moins, je me rembourse mes tickets d'achat et je fais un petit bénéfice. Donc voilà, et bien c'était donc la présentation de ce cher petit jeu. Numéro fétiche où on peut gagner jusqu'à 1000 euros une ou plusieurs fois, c'est ce qu'ils disent apparemment. Avec ce petit tableau que je vous ai présenté, donc ce petit jeu qui affiche donc un TRJ sur un taux de redistribution aux joueurs de 63%. Bon, et bien voilà, c'était une petite session grattage de numéro fétiche. Alors, comme je vous ai dit auparavant, que des numéros 13. Car, comme précisé, apparemment chez le buraliste, les gens réfutent un petit peu à acheter le numéro 13, mais bon. Pourquoi pas? Bon, et bien sur ce, les amis, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt ben, pour une prochaine session de grattage de nos chers petits jeux, de la Française des jeux. Allez, on rejette un dernier petit coup d'œil sur ce petit tableau, histoire d'avoir une idée quand même du nombre de lots gagnants. Alors, bon, 1000 euros, 4, c'était quand même bon, c'est pas gagné, comme on peut dire. 250 euros, il y a quand même 60 nombres de lots gagnants sur 1 500 000 unités de jeu. À savoir qu'il peut y avoir des lots combinés sur un seul ticket. Donc, par exemple, ce qui veut dire que ce numéro 60 n'est pas le nombre de tickets imprimés gagnants, mais le nombre de lots gagnants. Il peut peut-être y avoir, par exemple, 40 tickets, enfin, avec des lots combinés, tout ça. Mais bon, comme on dit, c'est pas gagné. 50 euros, 80 lots gagnants, 20 euros, 500. Et c'est dès qu'on arrive vers les 10 euros, 5 euros, que bon, là, il y en a 21 000, 43 000.
Et les 2 euros, 1 euro, il y en a pas mal, 188 000 et 111 000. Ça faisait quand même une totalité de 363 644 000 lots gagnants sur 1 500 000 tickets imprimés. Voilà donc pour cette petite vidéo sur les numéros fétiches. Et bien les amis, je vous dis donc à très bientôt. Allez, bonne soirée.